Bonjour à tous. On continue à s'entraîner à résoudre des équations, mais cette fois, on a mélangé un petit peu les choses. Le problème devient légèrement plus compliqué parce que, regardez ce qu'on a. Sur notre plateau de gauche, on a trois objets de masse inconnue qu'on a appelés X et deux poids de 1 kg chacun qui sont sur ce même plateau de la balance. Sur le plateau de droite, on a un certain nombre de poids qui pèsent 1 kg chacun. On va vouloir chercher combien pèse un de ces objets de masse X? C'est le problème du jour. Mais avant même de réfléchir à comment on va le résoudre, qu'est-ce qu'on va faire comme manipulation en s'aidant de notre balance, je voudrais que vous réfléchissiez un instant à comment on pourrait traduire en équation ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire que notre plateau est à l'équilibre avec ces différents objets. Qu'est-ce qu'on peut dire? À gauche, on peut dire qu'on a trois objets qui pèsent X. Donc déjà, on a un poids de 3 fois x, autrement dit 3x. Et en plus de ces trois objets, on a deux objets qui pèsent 1 kg chacun, on a deux poids de 1 kg. Donc on peut dire que le poids qui est à gauche, c'est 3x plus 2. Le poids total de ce qu'il y a ici, c'est 3 fois les x kilos des objets bleus, plus 2 kg représentés par les deux objets qui pèsent 1 kg ici. À droite, qu'est-ce qu'on a? On va le compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kilos, parce qu'on a 14 objets qui pèsent 1 kilo chacun. Donc on a 14. Le poids à droite, c'est 14 kilos. Enfin, et c'est sans doute le plus important, on sait que notre balance est à l'équilibre. Autrement dit, les poids dans chacun des plateaux sont égaux. La masse totale ici est égale à la masse totale qui est là. Et ça se traduit en disant que 3x plus 2, c'est égal aux 14 que l'on a à droite. Cette équation traduit l'équilibre de notre balance. Maintenant, on va vouloir résoudre notre équation et dans l'idéal, on voudrait se retrouver avec juste un objet de masse x sur le plateau de gauche avec une balance à l'équilibre. Comme ça, on pourra lire le poids à droite. Mais tout d'abord, vous pourriez vous demander qu'est-ce que je vais faire de ces deux poids qui sont ici? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de s'en débarrasser? Eh bien si, on pourrait s'en débarrasser tout simplement en les enlevant. Mais rappelez-vous, le problème si on enlève juste ces deux poids, c'est que notre plateau de gauche se retrouverait plus léger, il monterait, tandis que celui de droite descendrait, et notre balance ne serait plus à l'équilibre, alors que c'est fondamental de garder l'équilibre pour garder l'information sur combien pèsent les objets. Donc, si jamais on veut enlever deux poids ici, il va falloir enlever deux poids dans le plateau de droite également, et dans ce cas-là, on conserve l'équilibre. Mathématiquement, enlever les deux poids à gauche, ça revient à soustraire 2 kilos, c'est-à-dire à enlever 2 au poids total de ce qu'il y a à gauche. De la même manière, à droite, j'ai enlevé deux objets de 1 kilo, j'ai donc enlevé 2. Comme j'ai fait la même opération à gauche et à droite, mon équilibre est conservé. Dans mon plateau de gauche, j'avais 3 fois x kilos plus 2 kilos, j'ai enlevé 2 kilos, il me reste donc 3x kilos. Dans mon plateau de droite, j'avais 14 kilos, j'en ai enlevé 2, il me reste donc 12 kilos. En enlevant 2 kilos dans chacun des plateaux, on se retrouve avec l'égalité 3x égale 12. D'ailleurs, vous pouvez vérifier que cette équation traduit ce que l'on a maintenant dans notre balance. Dans le plateau de gauche, nous avons 3x et dans le plateau de droite, nous avons 12 objets qui pèsent 1 kilo, c'est-à-dire 12 kilos. Maintenant, on s'est ramené à un problème très similaire de celui qu'on a traité dans la vidéo précédente. Donc laissez-moi vous demander, est-ce que vous vous rappelez comment on va faire pour isoler un seul x dans le plateau de gauche tout en gardant la balance à l'équilibre? Eh bien regardez, on peut simplement dire ça. On a trois objets qui pèsent x. Si jamais je prends un tiers de ce qu'il y a à gauche, je vais me retrouver avec qu'un seul objet qui pèse x. Mais bien sûr, si je veux prendre un tiers seulement du poids qui est à gauche, il faut que je prenne un tiers du poids qui est à droite si je veux garder l'équilibre. Mathématiquement, prendre un tiers, ça veut dire que je vais multiplier par un tiers les deux termes de mon équation. Dans mon plateau de gauche, je multiplie 3x par un tiers, et pour garder l'équilibre, ça veut dire que je dois multiplier dans mon plateau de droite mon 12 par un tiers. Maintenant, on peut faire le calcul. 3x fois un tiers, c'est égal à 3 fois un tiers fois x et 3 fois un tiers c'est 1, donc un tiers de 3x c'est bien x, c'est ce qu'on voulait depuis le début, et 12 fois un tiers c'est égal à 4. Finalement, notre équation devient
x est égal à 4, je peux garder un symbole égal parce que j'ai fait la même chose à gauche et à droite. Concrètement, regardons la signification de ce qu'on a fait dans notre balance. On a dit qu'on a multiplié par un tiers les poids qui étaient à gauche, c'est-à-dire qu'on n'en avait pris qu'un seul tiers, ce qui signifie qu'on s'est débarrassé de deux des trois poids. Dans le plateau de droite, pareil, on a multiplié par un tiers, c'est-à-dire qu'on a gardé un seul tiers de tous les poids qui étaient ici, et on s'est débarrassé des deux autres tiers. Combien il restait de poids? On peut recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il restait 12 poids. On a gardé un tiers de ces poids-là, c'est-à-dire par exemple ces 4 poids-ci, et on s'est débarrassé des deux tiers restants. Finalement, on retrouve bien notre solution, à savoir que si on se retrouve avec qu'un seul poids qui pèse x à gauche, cela revient à se retrouver avec 4 poids qui pèsent 1 à droite, et on a conservé une balance à l'équilibre. Ce poids x, il est égal à 4 kg. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir.